Tout le monde, c'est Pote Paris, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça sera sur la découverte de Greed is Good, un jeu qui est actuellement en playtest sur Steam. Je vous mettrai le lien en description. Vous aurez juste à le tester. Là, je suis actuellement en live sur Twitch, donc n'hésitez pas à passer. Je vous mettrai le lien aussi. Du coup, pour la présentation du jeu, c'est comme Dark and Darker, le jeu où vous savez, où vous entrez dans un donjon, vous avez des PNJ. Soit des squelettes, des zombies, etc., etc. Et aussi des joueurs. Et le but, c'est comme un battle royale. On doit s'extraire avec le maximum de loot qu'on trouve. Et puis c'est parti. Hein. Par contre, on va faire du solo. Hop. Et puis c'est parti. J'ai choisi le premier perso avec épée bouclier. Voilà, comme ceci, hop. Après, on a trois coups, deux et le troisième. Et puis voilà. Donc, on part sur une équipe de 9 joueurs sur 9. Et puis, vous avez les différents styles. Il y a le mage ici. Il peut heal, etc. Il y a l'archer qui est juste en face de moi. Ensuite, il y a lui, ça doit être le même que moi, lui. Wesh, wesh, wesh. Et puis voilà, la partie commence dans 35 minutes, 35 secondes pardon. Je vais juste vous faire une partie et après je vais devoir m'en aller, excusez-moi. Mais si vous voulez voir la suite, n'hésitez pas à venir sur Twitch et on fera ça avec plaisir. Qu'est-ce que tu fais à lui piquer les fesses là? Allô? Oh là là, il y en a une qui nous a enfumé. C'est parti, hop, en équipe. Celui-là est meilleur que celui que j'ai. On prend ensuite. On prend le loot. Il n'y avait rien. Nouveau coffre. En haut à droite, vous avez la map. En bas, ma santé. Enfin, dans le centre. Et puis, en bas à droite, vous avez les torches. Et aussi la potion. On peut pas le casser ça. On fait les trois coffres et on sort. Je vais vous montrer un peu la map comment elle se présente. Moi je prends tout et puis je revends dès que j'arrive à m'extraire. Sinon c'est pas grave. Ok, un ennemi. Oh, je suis bloqué. On peut les loot. Ça, je peux pas les mettre. Ok. Par là, c'est bloqué. Comme vous pouvez le voir, la zone se rapproche en rouge sur la map, la mini-map, comme vous pouvez le voir.
Ok, rien. Ok, on l'a trouvé. Lui, ça doit être un ennemi, non? Ouais. Ok, il leur faut trois coups. Est-ce qu'elles sont mieux? Non, c'est les mêmes. Est-ce que j'ai le temps de... Non, j'ai pas le temps. Ok, un joueur pas loin. Il y a une araignée là. La zone se referme par là. Ok. On peut pas le casser. Alors attendez, les bottes là. Ouais, elles sont mieux. Elle fait plus de dégâts, mais moi je suis plus rapide avec l'épée que j'ai actuellement. Place. Ok, j'ai plus de place. Qu'est-ce que je pourrais jeter? Déjà, on va utiliser une potion. Oh, il y a un joueur. Ok. On va essayer de le combattre. Non, il s'en va. Ok. On va essayer. On va essayer de trouver un portail. Un joueur, c'est bon, il se fait aggro. Ok, elle est buggée, elle. Il va m'avoir. Ah, il m'a tué. Enfin bref, comme vous l'aurez compris, j'ai réussi à survivre 6 minutes 56. Escape ou non, ben c'est fail. Et puis je suis actuellement niveau 2. Je suis tombé contre un archer, donc voilà. Je l'avais mal mis, en plus je l'avais mis mal. Mais bon, vu qu'il y avait beaucoup d'ennemis PNJ et puis j'avais pas toute ma santé, du coup c'était un peu compliqué de l'avoir. Donc voilà un peu le principe du jeu. Vous devez vous extraire
le plus rapidement possible avec le maximum de loot. Et puis par la même occasion, si vous faites beaucoup de kills, ben c'est un plus pour vous. Du coup, voilà, prenez soin de vous. Et puis dites-moi en commentaire votre avis. Et si vous allez tester le jeu, n'hésitez pas. Pour mon pseudo, je vais vous montrer. Attendez, non. Mon pseudo. Comment on fait? Ah oui, c'est là. Pardon. C'est ici. Voilà, c'est chapeau. Et à mon idée ici, que vous pouvez rajouter. Juste là. Donc, entrez le nom du joueur ou l'idée. Et puis, c'est parti. Enfin bref, merci d'avoir suivi la vidéo. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Du coup, prenez soin de vous. Ciao, bye. Peace.